C'est un fidèle de Sébastien Kurz qui prend les rênes de l'Autriche. Alexander Schallenberg est le nouveau chancelier. L'ancien chef de la diplomatie autrichienne, 52 ans, a prêté serment ce lundi devant le président Van der Bellen. Il va devoir rétablir confiance et stabilité deux jours après la démission de son prédécesseur. Je travaillerai bien sûr en très étroite collaboration avec Sébastien Kurz, le président du nouveau Parti populaire, le plus grand parti au Parlement, sous lequel le parti a remporté avec succès deux élections au Conseil national. Tout le reste serait absurde en termes de politique démocratique. Cette proximité inquiète l'opposition qui parle de système Kurz, même si ce dernier dément être un chancelier de l'ombre, il a reçu le soutien du nouveau dirigeant. Je considère que les allégations qui sont faites sont fausses et je suis convaincu qu'au bout du compte, on s'apercevra qu'il n'y avait rien. Sébastien Kurz, 35 ans, nie avec véhémence les accusations de corruption. Il est soupçonné d'avoir utilisé par le passé des fonds gouvernementaux pour s'assurer une couverture médiatique favorable et ainsi accéder au pouvoir. Il a promis de faire toute la lumière sur les allégations qui le visent.